Ah bah merde, vous êtes là? Moi qui pensais que j'étais tout seul, dans mon délire. Eh bah non, bah... Ouais, bah excusez-moi alors hein, si j'ai réagi de cette sorte. Donc bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Rétro. J'espère que vous allez bien les amis. Parce que là, c'est fini. Là, sur cette fois-ci, on va pas parler de plateforme. Parce que c'est vrai que la plupart des épisodes, je parle de plateforme. De jeux de plateforme. Super d'ailleurs. Mais bien sûr, j'ai encore d'autres jeux plateformes et des nombreux jeux plateformes à vous présenter. Mais cette fois-ci, on va changer de sujet et on va passer sur un jeu de Formule 1. C'est pour ça que j'étais un peu dans le délire tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que dans les championnats de Formule 1, tu vois jamais un pilote qui dit « va te faire foutre ». Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, avant tout, j'aimerais passer justement une dédicace à une personne, à qui m'est cher aussi, hein. Il s'agit de mon père. Pourquoi mon père? Parce qu'à l'époque, avec Nigel Mansell, mon père, il adorait ce jeu. Et moi aussi d'ailleurs. Et un truc qui n'a pas changé entre avant et aujourd'hui, que ce soit dans les jeux d'avant comme dans le jeu d'aujourd'hui, quand il s'agit de conduire des bagnoles, c'est que moi et la conduite, c'est pas trop ça. Si je conduisais comme ça dans la vraie vie, comme je conduis dans les jeux vidéo, ah bah là, les gens, ils auront peur de monter avec moi, je vous garantis. Et je serai souvent à l'hôpital, je pense. Mais bon, non, non, je conduis mieux dans la vraie vie que dans un jeu vidéo, mais bon, c'est pas pareil. Donc voilà, ce jeu, il a été consacré justement pour le championnat britannique de 92. Et oui, il a été, du coup, en 92, celui qui avait été champion, ben, il s'appelle Nigel Mansell, justement. Voilà pourquoi le jeu porte son nom. Du coup, c'est un jeu qui joue car un joueur. Malheureusement, c'est ce que je trouvais ça bizarre pour un jeu de Formule 1. Parce que il me semblait qu'il jouait à deux joueurs. Je m'en souvenais plus hein, depuis l'époque et tout. Je m'en souvenais même plus. Parce que pour un jeu de Formule 1, quand même, un peu comme tous les autres sports, etc., clairement, tu peux jouer à deux, voire plus. Et là, ce jeu-là, il se joue qu'à un joueur. J'ai quand même vérifié mes sources sur internet pour savoir, parce que je m'en souvenais plus trop. Et non, il se joue bien à un joueur. Donc c'est un jeu qui a été édité et développé par Gremlin Graphics. Donc voilà, il y a aussi Konami qui a aidé à l'édition de ce jeu. Donc voilà, Konami, hein, c'est quand même un éditeur quand même très très connu dans le monde du jeu vidéo. Surtout les jeux de ces époques. Et sinon, comme je disais que c'était basé sur le championnat de 92... que Nigel Mansell avait gagné ce championnat à l'époque-là, et ben tous les autres concurrents, parce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes avec qui, dans ce jeu, ben, on court, et ces autres concurrents, ben, c'est exactement les mêmes concurrents qui ont participé au championnat 92. Donc il n'y aura jamais d'autres sortes de pilotes si par exemple on prend un circuit différent. Mais donc c'est exactement les mêmes pilotes. Donc voilà ce que je peux dire au sujet de ce jeu. Donc et c'est pour ça qu'il me semblait que ce jeu putain de bordel Jacques. C'est pour ça que ce jeu je pensais qu'il était à deux joueurs. Parce que il me semblait qu'à l'époque j'avais fait des courses moi contre mon père. Mais non en fait on devait jouer chacun sur notre tour. Parce que bah voilà quoi j'ai quand même vérifié mes sources et Non, il se joue qu'à un joueur. Donc maintenant, je vais vous présenter ce jeu sous forme de gameplay, comme d'habitude. Donc vous allez voir à quoi ressemble ce jeu. Et à quoi en était le délire à ces époques. Pourquoi je délirais autant sur ce jeu de F1. Et pourtant, je vais vous dire un truc. Sur ce jeu de F1, eh ben, j'en ai pas repris d'autres, c'est bizarre. Quand après j'étais passé sur PlayStation 2, 3, 4, il y avait des jeux de F1 qui sont sortis, j'ai jamais repris. Pourtant, j'aimais bien...
sur Super Nintendo, Nigel Mansell, un jeu de F1, franchement j'adorais ce jeu. Donc voilà, donc on part pour un gameplay, messieurs, dames, c'est parti mon kiki. Donc nous revoilà, sur Nigel Mansell. Donc voilà, donc vous avez vu la photo de Nigel Mansell ici présent, là dans la page de menu. Donc voilà, il y a donc ici, le menu il est un peu plus complexe que les jeux de plateforme, il y a plusieurs trucs. Mais je me souviens plus trop à quoi correspondent tous ces trucs. Donc là, nous avons les options déjà, le truc le plus basique sur tous les jeux vidéo. Donc là, il y a la difficulté de level, donc soit arcade ou simulation. Moi, je mets toujours arcade parce que déjà, simulation, faut vraiment être doué pour jouer en simulation. Donc là, les kilomètres par heure, bon, je touche pas trop parce que j'ai peur de faire des conneries. Je me souviens plus trop comment on fait. Donc là, bon, c'est pour les mots de passe, comme dans tous les jeux. Voilà, là, c'est pour faire une saison complète. Donc ouais, après je me souviens plus trop, donc là on va faire racircuit une course normale. Voilà. Donc là, vous avez tous les circuits, donc de chaque pays, l'Australie, Japon, Portugal, Italie, Belgique, Hongrie, Allemagne, Angleterre, France, Canada, Monaco, San Marino, ouais, l'Espagne, Brésil, Mexico et l'Afrique du Sud. Mais moi, je vais prendre le Brésil. Pourquoi le Brésil? Parce que c'était vrai que c'était l'un des circuits que je prenais tout le temps avant. Parce que vous voyez en bas, vous avez un croquis du circuit. Et il y a une putain de ligne droite. Et ça, j'aimais bien. Donc, c'est pour ça que le Brésil, c'est un pays, je le prenais souvent à l'époque. Après, il y avait l'Italie aussi. L'Italie, regardez. Il y a une putain de ligne droite aussi. Ça, je me rappelle de ce pays en forme de pistolet. Et du coup, Et ouais, non, c'était pas des voitures qui tiraient des flingues, des balles, je veux dire, c'était pas les voitures à la James Bond avec des mitrailleuses et tout, machin, non, c'est pas du stop car non plus, c'est pas de la destruction derby, non, c'est bien de la F1, mais bon, c'est juste le circuit qui est en forme de pistolet, calmez-vous les gens. Bon, sinon, on va commencer, donc je vais prendre le Brésil, la France était assez complexe, regardez un peu le circuit, je me rappelle très bien, donc on va prendre le Brésil, on va faire une course pour vous montrer à quoi ressemblait ce jeu. Ah ouais, donc là vous avez le temps. Ah oui, je me rappelle que le temps ça jouait aussi. Donc là c'est dommage qu'il ne fasse pas beau. Parce qu'avec la pluie, ça glisse et je risque de me prendre des poteaux. Bon, on va faire avec ça, on va faire comme c'est avec ça. Donc du coup, voilà. Donc là, c'est pareil, je ne touche plus, je ne sais plus comment c'était à l'époque, comment on l'avait mis. Mais voilà quoi, je vais essayer d'éviter de toucher la transmission de la voiture, etc. et tout. Et non, on va faire une course normale. Après, le but de jeu rétro, c'est vous montrer des démos de jeux rétro, les meilleurs jeux du monde, les jeux de ces époques. Donc on y va. Donc je vais course. Donc là... comme fait une course, donc on est dernier. Donc regardez, on a Schumacher en premier, Berger, Suzuki, Kitten, Alesi. Donc vous voyez, il y a quand même des pilotes qui sont assez connus mondialement. Ils sont assez connus. Martini, Modena, Katayama. Et puis nous, on fait toujours le rôle de Mansell, Nigel Mansell. Donc du coup, c'est parti, on y va. Donc on y va, on attend que ce soit vert. Et on y va, c'est parti. Allez. Par contre, à l'époque, j'avais un code qui était pas mal. Mais bon, voilà, j'étais un peu un tricheur aussi à l'époque de temps en temps. C'était un code qui permettait de... Oh là là. C'était un code qui permettait de De ralentir toutes les autres voitures. Et c'est-à-dire que moi, je leur foutais au moins 20 tours dans la face. Mais bon, ouais. Ça, j'avoue, c'est pas très loyal ce que j'ai fait, Parce que, voilà, j'étais vraiment une pitié en conduite. Là, j'ai l'air de me débrouiller, J'ai pas touché un panneau encore. Ah ouais. Bon, à l'époque, j'étais plus petit aussi, Peut-être que j'avais pas la notion de la conduite. Bon, on va dire, je l'ai... Hop. Voilà. Mais c'est un jeu qui est un peu chaud parce que... À rattraper les voitures... Ah là là. Bordel. Ah, tu vas me laisser te dépasser, toi. C'est bon. Je suis pressé, je dois aller au stand. Non. Et voilà, la pluie qui arrive. Donc là, il faudra faire gaffe parce que ça risque de glisser. Oh là, pas dans le sable. Voilà, c'est ce qui me semblait.
Bon, ça va, les autres voitures sont loin derrière, mais par contre, il faut que je rattrape ceux de devant. Ce qui est pas pareil. Donc, voilà. Allez, on y va. On fonce. Ah, et ben voilà. Là, maintenant, je suis déréglé, là, depuis que j'ai pris un poteau. Maintenant, je fais que de m'en prendre. Ou à moins que j'ai peut-être glissé, j'en sais rien. Oh là 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 là. Ah! Donc, c'était là, hein, la putain de ligne droite. Donc ça va, il y a moyen de les rattraper encore. Hop, voilà. On va essayer de pas se prendre trop de poteaux. Voilà. Après là, il y a plein de virages. Hop là. Peut-être qu'à l'époque, hein, je freinais pas trop comme il fallait. Mais c'est vrai que... Un dédicace encore à toi, mon père. Parce que c'est vrai que ce jeu-là... Je pense que si je t'en parle, tu t'en souviendrais! Putain de sa mère! Wow! Je rigole. Bon, allez, on y va. C'est pas fini. Allez. Ah ouais. Non, parce que quand je rigole pas, quand je rage vraiment, c'est en solo. Là, je fais exprès, là, parce que c'est une vidéo, mais... Je rigolais en rageant. De toute manière, c'est une démo rétro. C'est pas comme si j'étais en plein dans le... En train de leur faire ou essayer de me faire un championnat et tout. Ah bah voilà, mais à chaque fois je vais... Oh là 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 là. Mais c'est à chaque fois je me prends le sable. Bordel de merde. Bon. Allez. Continue, il y a une bagnole devant, il faut que je la rattrape. Ouais, je suis 8ème sur 12. Oh là là. Ouais, vous voyez, en haut à droite, il y a la position. Vous voyez sur la gauche, il y a le circuit, hein, le radar avec le circuit. Hop. Ah, putain! Ah! Eh ben, c'était ça à l'époque. Ouais. Ce serait bien que j'en rattrape une autre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, hein, que je dis jeu de plateforme, jeu de sport, etc. Eh ben, ils étaient pas évidents, les jeux. Ah, ils étaient même durs. Ça y est, il y a une voiture devant. Bah vous voyez, même en sport... Ah putain, ça m'énerve. Ah là 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 là. J'étais à deux doigts d'attraper la bagnole qui est devant. Et ouais. Allez, 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 allez. Louia. Ah ouais. Ah, il y en a même deux. Et voilà, rattraper sa mère. Eh là, me v'là sixième. Ah là 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 là. Ouais, ah, les premiers sont un peu loin devant. Donc voilà, hein, c'est basé sur le championnat du monde 92, où Nigel Mansell a été déclaré champion à cette époque. Voilà. Voilà. Un peu de concentration. Oula, ouh, j'ai eu du bol. Ouh, j'ai chaud. Ouh, j'ai pas fait le poteau. Ouh, j'ai eu du bol. Ouh, j'ai de la chance. Ouh, j'ai de la chatte, putain. Ouh, ça fait, ouh, c'est content. Allez. Hop là. Et voilà, me v'là cinquième. Ouais, c'était dur. J'aurais dû mettre le code pour que les voitures ralentissent. Comme ça, j'aurais pu vous parler tranquillement, vous racontant le jeu. Mais il n'y aura pas eu d'intérêt à comment... Bah, vous parlez du jeu. Parce que si je vous parle d'un jeu et puis en même temps je triche, c'est pas la peine. C'était à l'époque. Là, tous les jeux rétro que je vous ai présentés pour le moment, j'ai pas fait de triche. La preuve, je perdais souvent. Hein? Bah ouais. Voilà. Oh, me v'là premier! Mais c'est la fête! Je pensais jamais que j'aurais été premier. Mais bon, maintenant, il faut que je tienne la cadence. Ah ouais. Faut que je tienne la cadence. Mais n'empêche, là j'ai l'air de me démerder là, ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu là, depuis les années 90. Et regardez, bah j'ai touché des poteaux peut-être tout à l'heure ou des buissons, mais regardez là, hop là, je passe le virage. Faut pas que j'aille dans le sable. Et puis là avec la pluie, regarde, c'est... voilà, non, c'est la pluie qui me fait glisser en fait. C'est la pluie qui me fait glisser. Ah, faut pas qu'il me rattrape. Ah, ils sont derrière. Je sais même plus si on peut mettre la vue arrière pour savoir s'ils sont prêts. Hop. Il me reste combien de tours? Bah, c'est en haut à gauche à 6 sur 7. Ah, il me reste 2 tours à faire.
deux tours à faire. Ouais. Oh, j'ai mis un tour dans quelqu'un, là. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai pas compris, là. Faudrait qu'on m'explique. Pourquoi on le tire red? Zéro point, zéro point. Ouais, j'ai pas compris, là. Ouais, non, j'ai pas compris. Normalement, j'ai fini premier, j'ai pas compris. La course, il manquait deux tours à faire. Et là, ça a mis Retired. Bah, j'ai pas compris, quoi. Donc, bah, on se retrouve pour le final de cet épisode. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, voilà Nigel Mansell. Donc, tout ce que je peux vous dire à ce sujet de ce jeu. Après, j'ai pas compris pourquoi la course n'a pas été finie et ça m'a marqué Retired. J'avais un tour d'avance sur celui qui était devant moi. J'étais premier. Donc, il n'y a pas de logique. Donc là, c'est peut-être pour se venger parce qu'à l'époque, j'avais triché sur ce jeu. Et là, en fait, c'est le jeu qui a triché sur moi. Ben voilà, quoi. Donc, ben, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook 100% Gaming, Nostalgie des années 60 aux années 90. Le YouTube de mon poteau MNG officiel. Et puis, voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vous dis, gardez la pêche. Sartec la famille. Piloter des voitures. Non, je dis, allez, on rigole, c'est bon, allez. Bon allez, je vous dis à la prochaine et puis ciao les amis!